Taguez-moi le CNRD et taguez-moi UFR. CNRD. Pour vous dire que nous sommes déjà dans votre secret, dans votre plan machiavélique. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Personne ne vous a poussé à venir casser la maison de Selou Dalin et de Sidya Touré. Aujourd'hui, il y a trois grandes formations. D'ailleurs, même UFS est dans la bouche maintenant. Trois formations. UFDG, ANAD, RPG Arc-en-Ciel, UFR de Sidya Touré. Vous savez, le CNRD aujourd'hui, pour casser l'élan des forces vives, récupère les petits partis politiques comme la sortie des guignols qui sont sortis tout récemment pour dire voilà, nous on veut accompagner, on ne pense qu'à nos intérêts. Quelque chose que l'UFDG n'a pas cautionné, ni le RPG Arc-en-Ciel. Et maintenant je vous explique tout le plan du CNRD. Vous savez, ils ont cassé la maison de Elias Selou Dalin, la maison de Sidya. Mais il ne peut pas s'approcher de Sidya. Il faut qu'il rembourse ce qu'ils ont cassé, ce qu'ils ont récupéré dans les mains de Sidya. Actuellement, ils ont acheté une maison. Vous savez, les narcos ont tellement de maisons aujourd'hui, partout à Conakry. Il y a des villas vides à Kipé, partout. Donc, Mamadou Doumbouya a acheté une maison pour Sidya, qu'ils sont en train de réparer actuellement. Au moment opportun, ils vont donner à Sidya comme le prix de sa maison qu'ils ont récupérée. Et comme ça, ils vont faire des faveurs à Sidya. C'est-à-dire, ces militants, ils vont les nommer dans le prochain gouvernement. Mais Sidya doit se retirer complètement de la politique. Voici le plan machiavélique du CNRD. Mais je vais vous dire une chose. J'ai dit, tout ce que vous allez faire va se retourner contre vous. CNRD. Le président Alpha Condé que vous avez enlevé, Sidya Touré était opposé au président Alpha Condé. Alpha Condé n'a pas chassé Sidya. Il n'a pas. D'ailleurs, il a nommé haut représentant du chef de l'État. Il l'a honoré. Le président Alpha Condé, le seul président, a donné un titre honorifique à son opposant principal, chef de file de l'opposition, avec un budget. Je vous ai dit, vous n'arriverez pas en politique au chevet du président Alpha Condé. On va partager. Si vous venez qu'on a, voilà. Aujourd'hui, l'argent du Guinéen qu'on doit prendre pour construire des maisons, des routes, aujourd'hui, Mamadi pense que non, il peut tromper tout le monde. Vous n'avez rien, vous n'avez pas aidé Sidya. Mais je fais ça pour interpeller Sidya Touré. Si vous acceptez cela, quelle honte, Sidya Touré. Vous vous êtes opposé au président Alpha Condé, pourquoi alors? Pendant toutes ces années, votre lutte a servi à quoi, Sidya Touré? Votre lutte, ça a servi à quoi, Sidya Touré? Sidya Touré, votre lutte, ça a servi à quoi? Pendant toutes ces années, face au président Alpha Condé, quelqu'un vient, il vous chasse de la maison que vous avez aimée. Aujourd'hui, pour avoir vos militants, pour casser l'élan des forces vives, vous dites que vous êtes battu pour la démocratie, Sidya Touré. Mamadi Doumbouya, on va envoyer des gens pour que vous vous retirez de la politique, qu'au retour, il va prendre quelques militants ou quelques responsables de votre parti qu'on va nommer
dans ce gouvernement de putschistes. Vous pensez que vous avez gagné, Sidia? Non, mais franchement, je me dis, pourquoi Dieu vraiment nous a donné ces responsables politiques? Si c'est ça votre plan, Sidia Touré, si vous acceptez l'offre de Mamadi Doumbouya, non, il faut mettre hijab maintenant pour marcher. Parce que c'est une honte. Même si vous êtes jaloux du président Alpha Condé du RPG, jaloux de UFDG, mais franchement, ça va être la honte pour vous. Ça va être la honte. Ça dit, il y a longtemps, on nous parle de certains dossiers. Votre fils est dans l'immobilier. Nous savions toutes les maisons que le CNRD achète du côté d'Abidjan. Nous savons tout. Mais moi, je me dis que voilà, ça c'est du business. Je ne vais même pas mettre ma bouche dedans. Si je dois parler des gens, c'est du CNRD. Vous avez votre agence là-bas pour acheter les maisons. Vous vous en foutez ceux qui viennent, voilà, pour acheter. Moi, c'est le CNRD. Ceux qui ont dit que oui, l'ancien régime, les gens ont détourné. Mais votre agence immobilière en Côte d'Ivoire est témoin de tous ces vols que le CNRD est en train de faire. Les domaines de Mamadi Doumbouya, les biens de Mamadi Doumbouya en Côte d'Ivoire. Monsieur Sidia Touré, votre agence immobilière est témoin de tout. Vous saviez les biens de Mamadi Doumbouya, les responsables du CNRD, les maisons qui sont en train d'acheter en Côte d'Ivoire. Vous êtes témoin de tout. Donc, c'est vous qui saviez si vous avez gagné. D'abord, quelqu'un qui vient, on vous humilie. Le président élu, qui est ton grand frère, Alpha Condé, il ne t'a pas fait sortir, il ne t'a pas humilié. C'est Doumbouya qui va venir jouer avec toi, ton esprit. Et vous allez accepter ce jeu du CNRD, Sidia Touré. Ah non, là, ça va être votre fin. Fin de carrière. Si vous rentrez dans ce jeu. Aujourd'hui, vous avez une maison en Côte d'Ivoire. Vous avez travaillé. Vous avez travaillé, vous êtes économiste, vous avez aidé la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, c'est votre ami. Vous avez travaillé dans son cabinet. Personne ne va vous accuser. Vous êtes un docteur, voilà, un grand économiste. Malgré qu'on vous a humilié en Guinée, mais vous êtes respecté en Côte d'Ivoire parce que vous avez étudié, vous avez un savoir-faire. Et vous allez accepter que c'est des tocards, des vauriens, des bambins qui vont venir jouer avec votre dignité. Non, mais Sidia Touré, ah non, mais là, franchement, ce que nous avons attendu, si vraiment vous voulez suivre le CNRD pour ça, non, mais même vos militants seront dessus de vous. Même vos militants, M. Sidia Touré, même vos militants seront dessus de vous. Que Mamadi vous offre une maison. Si Mamadi vraiment veut la réconciliation, veut la paix, je lui ai dit la même chose. Le président Fakonde, qui est son bienfaiteur, qui a tout fait pour Mamadi Doumbouya, c'est aussi simple que ça. Si Mamadi voulait réconcilier, voulait la paix, voulait l'unité, il aurait demandé pardon au président Alpha Condé. Il aurait dépêché des gens pour demander pardon à Alpha Condé. Est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait? Les anciens dignitaires sont en prison. Elle a celou d'aller. Hein? Elle a celou d'aller. Sa maison aussi a été cassée. Est-ce qu'ils ont évalué l'argent que le président de l'UFDG a dépensé? Mais si le CNRD pense que non, ils sont plus malins que tout le monde. Ils vont faire ce jeu. Oui, on va récupérer Sidia d'abord. Mais c'est pour vous dire que il y a trois gros morceaux. Deux qui se valent. Je peux du 40-40. Le reste se partage les 20. Mamadi Doumbouya, tant que tu n'as pas l'UFDG à tes côtés, le RPG, soit le RPG, tu n'as rien gagné, Mamadi. Tu n'as rien gagné.
Vous avez fait le coup d'État, soi-disant que le troisième mandat, il n'y avait pas de démocratie. S'il y avait quelqu'un qui était en vue, c'était le président Selouda, l'UFDG face au RPG arc-en-ciel. Mamadi, c'est ça la vérité. Et vous ne pouvez pas changer cela. Même si M. Sidya Touré acceptait l'offre, la maison que vous êtes en train d'aménager du côté de Kipé, que vous allez donner ça à Sidya Touré, une manière de le calmer, donner des postes au prochain gouvernement, à ses cadres. Mamadi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. C'est comme tu viens, tu mets le feu sur la maison de quelqu'un, tu te joues les sapeurs-pompiers. Tu n'as absolument rien apporté, Mamadi. Et c'est ça la vérité. Si tu voulais vraiment la réconciliation, tu allais acheter une maison aussi, donner à Ella Soudalé. Dépêcher des gens pour demander pardon au président Alpha Condé. Comme la maison que tu veux donner à Sidya. Aucun Guinéen n'allait parler. Mais si tu penses que non, ton plan machiavélique, vos manipulations, vous allez endormir les Guinéens, wallahi, ça va se retourner contre vous. Tout ce que vous êtes en train de faire va se retourner contre vous, Mamadi. Vous n'avez absolument rien compris. Combien d'argent vous avez déjà dépensé actuellement? Tous les hypocrites sont avec vous aujourd'hui. Mais à cause de quoi l'argent? Si vous saviez ce qui se disent dans les cafés ou dans les couloirs. Ah non. Oui, Luna, il faut se comprendre. Dieu tambe dougulana na mera. Ah, comment et na mora kobrinara, mora dom. C'est ce qui se dit. Vous donnez de l'argent aux Guinéens, ils ont besoin d'argent. Ils vont prendre, ils vont bouffer. Vous êtes les gros perdants. Vous êtes les gros perdants. Parce qu'il n'y a pas de projet de développement. L'argent qu'on doit prendre, les milliards, pour refaire des écoles, pour faire des routes, construire des centres de santé, payer les enseignants contractuels. Vous prenez tout ça que vous allez acheter des consciences. Nous sommes déjà informés. Mamadi, nous sommes déjà informés. Tout ce que vous êtes en train de faire, nous sommes déjà informés. Vous avez vu, il y a des gens qui viennent ici même aux États-Unis. Je crois le 27, les Ousmi Fofana, les Ahmed de Paris, voici des propagandistes qui viennent ici à New York le 27. Vous pensez que les gens aux États-Unis ici n'ont rien à faire, hein? Vous pensez que les Guinéens vivant ici, et en plus c'est où? Dans le Bronx. Demandez Ousmane Kaya. Demandez Ousmane Gawal. Son séjour à New York, c'est tout dans le Bronx. Vous avez oublié. Demandez Ousmane Kaya, il va vous dire, lors de son passage à la mosquée de Bronx, il va vous dire, les gens de Bronx, ils vous attendent ce jour-là ici. Et ceux aussi qui ont déjà envoyé de l'argent du côté de l'Europe, tous les promoteurs, l'argent que on est au courant de tout. Mais tout ça, je vous dis, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Personne n'aime voir la Guinée dans cet état-là. Les Fonike Mangue, les Bilo, tous ces gens-là. Sadiba, comment tous ces gens sont morts? Vous pensez que les gens-là n'ont rien dans la tête? Vous pensez que vous pouvez endormir les gens? Ne vous fatiguez pas, les gars. Ça ne marchera pas. CNRD. Ça ne marchera pas. Le mieux pour vous, c'est la force qui vous maintient. Mieux vous rester avec ça que de dire tous ces gens-là doivent démissionner. Koufo de Gassama Diaby, tu sais, j'ai un grand respect pour les. Ça dit en Guinée pour les Djakankéens, hein, surtout les Diaby. Vous savez, Touba, c'est la seule, je vais dire, sous-préfecture en Guinée où on ne parle même pas de politique de Mamaya. Les Djakanké, eux, ils cherchent pour eux. Regardez Touba. Regardez Touba. Vous allez regardez le nombre d'étages là-bas. Même les routes, ils n'ont pas besoin de 5 francs de l'État. Touba, Guinée. Donc, les Djabi, les Djakanké, j'ai un grand respect pour eux.
Mais comme tu es le sacrifice des Diakanké, je ne suis pas pressé d'abord. Je vous ai dit, à partir du 30e, j'économise actuellement mes salives contre vous. Ni danka kakileko, ni djabila. Voilà. Comme il y a le sacrifice des Diakanké aussi, toi tu fais partie. Je ne vais pas te répondre aujourd'hui. Voilà. Parce que, allô, Aïté, Hankri Taïla, quoi. Tu vas voir Mamaya partout en Guinée, mais jamais Touba, vous n'allez voir. Parce que eux, ils travaillent la solidarité, ils cotisent, ils font des routes. Donc ça, je fais ça en parenthèse à cause de Touba. Donc, CNRD, les gens que vous envoyez pour mentir la situation du pays, nous connaissons tous. Donc ne vous fatiguez même pas. Ne vous fatiguez même pas. Ça ne passera pas. Ibdino, vous savez, on vous a parlé du sort de ces gens-là. La femme de... Allez-y demander la famille du colonel CC. Allez-y demander. Jusqu'à présent, on n'a pas remis les corps. Jusqu'à présent, ils n'ont pas remis les corps de M. CC Bilivogui à sa famille. Ça dit, c'est du jamais vu, quoi. Je me pose la question, est-ce que ces gens-là sont conscients? Esparta, non, ne l'insultez pas. Les Foniqués, qu'est-ce que les Foniqués, ils ont fait? Ils ont tout simplement demandé le retour à l'ordre constitutionnel. Bala Samoura, les escadrons de la mort de Bala Samoura sont allés prendre Foniqué Mengue et Bilo jusqu'à présent. Au lieu que le procureur soit se flanqué devant nous, Fallou Doumbouya, pour dire que oui, l'État, le gouvernement, il ne sait pas. Mais tout le monde avait vu la descente des gendarmes et des et les forces spéciales. Mais allons-y, Kobenawati, fait tout aujourd'hui. J'ai dit à tous ces idiots qui sont en train de soutenir les dérives de Mamadi, vous allez mordre vos doigts demain. Aujourd'hui, le mal est caché, peut-être. Aujourd'hui, le camp qu'ils ont du côté de Kassa et Mere Foramakianare. Wallahi, Mouni Radidito, Anara Damaro. Est-ce qu'Ala Diamane Moutam? Parce que l'ordre qu'on les donne là-bas, et Mere Foramakianare. Wallahi, Sadibara Video Minimane. Ou Biriato Mane. Et Sadibaya Kanakianare. Moi seulement, je vous prépare l'esprit. Vidéo nous mené l'oronare. Wafala Mane. Ah, Damaro nous avait prévenu. Wallahi, Abiri Minimane. Eux, ils pensent que non, ils peuvent cacher. Parce que Mamadi, ils ont dit aux enfants, sinon, Moutan non mana vidéo raminde. Mais Adi Mekbegbe Faramane. Parce que ça, c'est une manière de montrer aux gens, étant, ils n'ont rien à voir dedans. Mais ils s'adiba torturé qui en aurait. Et Fark qui en aurait. Et Mre Farama qui en aurait. Kassamene. Et Adam a dit, Wuli Bama qui en Wallahi, na révélation birifaman. Otama kolo. Si les gens savaient, Moutana bloc qui, mou échange dans Gana Bama, mou information à birimuna mou falama, l'erinde. Des fois on dit pas tout. Mais Nagana Bafé mene, l'or femme, vous allez, vous-même qui suivez Mamadi. Non, attendez, le sacrifice de le sacrifice là, je vais le bannir d'abord, et puis on va continuer. Ne le répondez pas. Je vous ai dit, Moutamou Kombitifé. Pour la première fois, Moutanga Kombitibé, Tana Moupousse, Moura Kombiti. Donc Moutamou Kombitimade. Et l'habitude, Mounagana, Moussoumana, Nakui. Parce que, et tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est ça. Vous pensez que, si vous voyez que moi, je préfère Seloudale 10 000 fois au pouvoir que de soutenir Mamadi. Je ne parle pas des communautaires, hein, des ethnos. Et ces ethnos-là, j'ai leur réponse aussi.
Si c'est pour aller sur ce terrain, Alpha Condé est malinqué de Kourssa, Mamadi est malinqué aussi de Sigiri, mais il a fait toute son enfance à Kankan. Les gens disent Mamadi est Kankan. Non. L'origine du papa de Mamadi aussi, c'est Sigiri, Sigiri Kankan. Mais on peut l'appeler, oui, il est de Kankan. Donc, Albert Maninka, Apen Kolanka. Donc, cet argument, ça ne tient même pas. Si c'est question de dire, ah, c'est Maninka pouvoir, on ne peut pas parler de démocratie et parler de l'ethnie. Non, ça ne marche pas. On parle de démocratie en parlant de développement, de changement. Mais il y a eu quel changement? Les factures d'électricité pendant 11 ans, où les Guinéens payaient 50 000 francs. Aujourd'hui, c'est 100 et quelques mille. Qui peut démentir ici? Après le 5 septembre, les factures d'électricité n'ont fait, c'est-à-dire des factures de certaines entreprises. Les gens payaient 1 million, aujourd'hui ils payent plus de 2 millions. Ça, c'est une réalité. Mamadi a apporté quel changement? Le sac de riz qui était vendu à combien? Le sac de riz qui était vendu à 230 000 avant le coup d'État. Aujourd'hui, nous sommes à combien? 350, 375 à travers le pays. Mamadi a changé quoi? On dit l'État doit créer de l'emploi, aider les gens, les conditions de travail. Aujourd'hui, les enseignants contractuels, 15 000 enseignants contractuels du mois de salaire. Les travailleurs de l'État aujourd'hui n'ont pas de prime. Les boursiers guinéens aujourd'hui sont abandonnés à l'étranger. Quoi, c'est des réalités? Mamadi a apporté quoi? Mais les escrocs, les nafigi ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Mais Tororoto, la Guinée Katororoto, c'est Semouna, la Guinée qui rabire Marakana. On dirait de la malédiction. Alpha Condé était là 11 ans. Mais regardez, Nagan n'a pas fait la Guinée. Dépôt de carburant. Makiti, Kira, Sore Faram, insécurité. Dimer, ça dit c'est incroyable. Hake. Vous savez, j'avais dit depuis le départ. J'ai dit Mamadi n'arrivera pas au cheville de Mamadi. Wallah, je ne l'ai pas dit parce que j'étais dans l'émotion. Non. Harliman, Harliman, fait analyser Mané. Nous savions, ça dit Harliman Birakolo. Mamadi est un bandit. Son natura, c'est des bandits. Bandit et Rafa me refagne bana, ko démocratie. Bandit et Rafa me refara, ko démocratie. Moudor, on a voulu faire. Les imams malhonnêtes sont assis en train de prêcher le mensonge. Que non, le pouvoir, c'est Dieu. Nulle part dans le Saint-Coran, il est écrit de faire le mal. L'ingratitude, c'est cité dans le Saint-Coran. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Même deux voleurs, l'ingratitude, Dieu n'aime pas l'ingratitude. Mamadi, le président Alpha Condé lui a tout donné. Si cet ingrat vient faire le coup d'État, qu'est-ce qu'il a fait de mieux que le président Alpha Condé? C'est l'homme qui était opposé, l'opposant principal du président Alpha Condé. El Hassan Doualé, il est où aujourd'hui? Mamadi a rendu El Hassan Doualé heureux. Il a rendu les militants de Selou heureux. Non mais il faut qu'on se dise la vérité. La démagogie ne peut pas construire une nation. Moudor voulait faire, on assiste sur le mensonge. Regardez le Burkina, le Mali. Des pays en conflit, mais regardez leur vie. Et par rapport à Conakry, à la Guinée, aujourd'hui. C'est comme si l'État n'existait même pas. Ah non, mais franchement, la jeunesse guinéenne, nous devons nous réveiller. Dieu nous a tout donné. Allah subhanahu wa ta'ala nous a tout donné. Le projet Simandou, le projet qui devait vraiment relancer notre économie, le développement de la Guinée. Simandou. Les Arabes ont profité du pétrole. Nous avons le fer aujourd'hui. Le fer, la demande aujourd'hui à travers le monde. Vous voyez les grandes villes aujourd'hui, les chemins de fer, des immeubles en fer. Nous avons des milliards et des milliards de tonnes. Mais aujourd'hui, les bandits sont en train de lapider ça, de donner ça cadeau. Tous les permis qu'on donne aujourd'hui à d'autres personnes. Nos frères guinéens,
qui peuvent exploiter ça, on refuse de les donner par jalousie, on donne à d'autres personnes. Non mais franchement, la jeunesse doit se réveiller. Bernie Steinmet vient d'être arrêté. Celui qui avait acheté Simandou. C'est-à-dire, n'eût été les relations. Vous allez tout dire sur le président Alpha Condé. Mais ce monsieur, c'est un génie. C'est un don pour la Guinée. Les relations. L'ami des présidents. L'ami des hommes d'affaires. Le président Alpha Condé. Où les gens parlent de diplomatie, lui n'a pas besoin. Il suffit d'appeler. Que ce soit les anciens présidents français à travers le monde, le président Alpha Condé. Simandou est revenu dans les portefeuilles de la Guinée, malgré que c'était vendu au temps de l'ancien compte. Si je vois les voyous aujourd'hui en train de dire, et Simandou 2040, et Allah, quelqu'un qui a sacrifié son pouvoir. Prendre Bernie Steinmet, retirer Simandou. Les voyous sont là aujourd'hui qu'au Simandou 2040. Ah la Guinée-Ka. Hypocrisie, Moussigama Dede. Nagan Gireso, Simandou a fini la Guinée-Bouira. Les voyous aujourd'hui, parce que Simandou va rapporter beaucoup. Si le président Alpha Condé était quelqu'un, il n'allait même pas s'intéresser à ça pour dire que non, ça appartient déjà à un Français. Ah la Guinée-Ka. Autant Hakli Sotoma l'air Mundou. Autant Hakli Sotoma l'air Mundou. Voici un mot dit ici que Ibrahim Fofana. Mara Falao Benta Moukombitim. Mais Mara Falao Tambe, les jeunes de Kaloum, Oyarabi. Moi je suis là, tu dis, tu es flanqué là-bas, tu me vois. Moi je suis un. Non, non, non. Laissez-moi, je vais l'éduquer. Ah, que l'éducation, c'est quelque chose de très important. Kaï Baba Ami Ibaba Farasina. Ibaba Rundiana Mene. Inandena Mene. Éducation. Bascot, Fouya Falade, tu ne veux pas être éduqué. Sinon, ce se dit Bebenana, et non ma Al-Quran récité de, en Bascot là-bas, à Mouria là-bas, Yamina, il est birin, Bascot, il est birin. Mais où ta courtaria, n'ta mouya abima. Où ta sraka kenaya, n'ta mouya abima. Vous ne voulez rien faire, non. Où l'oudje fora. Depuis Bandi et Fare, et bra wali moundou souira, autant l'ouma na koko ya nan koui. Comment Dieu peut vous aider? Autant sera qu'un endroit. L'air biri. Kaloum dimi. Ah, grand. Et tote du souïr à 100 000 francs. Aussi qu'au flanqué, barque humaine. Oule belé belé. Nagan abam Amérique. Mouta yati ma akolo. Donald Trump, la maga nagan domtina. Et de romane meni. Eh, Trump, à la maga agadinan domtina. Odor na fouyantia. Aventurier fatigué, n'est-ce que le fauteta. Mamadi Doumbouya naga groupé. Né nana kore bangi tifé naki. Autant sera qu'un canaille. Tote di nan soma otanira, grand, grand, grand bonyefa. Bog kobri. Et l'amma era hôpital ti. Et l'amma era wali souira. Otambe, moi j'ai le temps comme vous. Moutana fotetanake, n'dogo tonake, n'ge yakosia. Plus de 170 dollars nan poche qui yakosia. Ma ouba tota. Nous mini yakos, 50 dollars nan fema, une heure et quelques seulement. Nabarantan nawasa. Moutamu dorme. On n'attend pas des autres. Même et soma moutanira. Moutan dormeni. Kokoya. Omouama walife. Ofa mouama rabafe ongebe. Vous n'êtes pas fier. Ora wali. Waraba ongebe. Mais et dormeni. Kilote firin. Sagana neira. Kerenga koera. Foué pressé. Gesege. E touché. Kanamoukara. 10 personnes. Chambre kerenkui. Aventurier. Raté. Nen enfant renaki. E finkar tongo. Et pouvoir Tongo, au Birakolo, Alpha Condé Rata, Nyoroui Nagan Namene, Onu Toredomane, Dendon, Medjiler Dondoyon. Eh non, Dieu, Dougoula Nanadjera. Ça dit, Inya Era Gerosofi, Dougoula Yati Nanautana. Parce que, Ntatosiga 2020, Yatoma Mene Dendon, Medjiler Dendon Veyon Flama, Togayati Moutofe Gilere, tellement que Tabara Rogo. Et nous sommes dans 10 000. Et comportement. Mais j'ai l'air et birimato. Allo fourema. On continue à combattre. Amen. Moutana, watananga gire. Bon, on a fait moutama. Sinon, on a en Amérique. Plus de 1500 dollars par semaine. Ou en belle vira babé. A fanira. Mais autant d'or, mène.
Mriatina B. C'est une fierté, Mokasiga la Guinée. Mais quand on y a un mot, on y a un mot. Odo Roumeni. On y a un mot, c'est comprendre. Les Ahmed de Paris, n'est pas femme. Ah, je n'ai pas, maman dit, avant ma jeunesse, ma life. Et bara wali mundu so jeunesse yira. Et bara wali mundu so yira. Et bon, quadri nan tongoma. Entreprise yomu, maman dit, n'aura groupe yira. Autant d'or, mais nous fouillanté. Oh, non, non, non. Et maman, maman life. Oh, l'ouma nanan kui, fouillanté ya kui. Chinois et nan femme. Bore et nan femme. Et femme mourab, réma et birintongo erani. Autant d'or, fouillanté ya. Omu masarama. Omu masarama. Kaumu, vous ne voyez pas les jeunes dames. Kaloum, gine dimi, et minima kyanare. Gesege, Esiga, Madina, Esiga, Dubreka, Koya. Mais autant d'or, meni. 11h59. Ya mère, maman sa, mise nyengoto, fouyante, ita mo dépense bama, ita na marorti ma mise nyengo, fouyante. Keli! Kame, il nous dépense ba, iboukan. Moi, ma nanan don fait tout. Mais il t'en l'air bien. Mais c'est n'y a tout. Fouyante ya woye. Ou m'en débat. Ou mou yagima. Ou mou yagima. Ça dit, et si gama d'oko de meni. Et vous le bien fa la barkoui. Et nous quel meni sonno. 11h59. Parce que moi, ma bande bien gagnon. Et ta moualima. Il finit ma fouyante nanan. Koko. Il n'a fallu pas n'a pas ou bien fallu pas combiti combiti. Comme moi ma walifé. Au Guinée dimé, nana nana fallu ma basse coupe Guinée dimé. Mrio, jeune yo mu walifé. On a réfindi, on y engira. Fouyante, wa fallu moi miro. Parce que autant n'y en a épousé fait. Il a walibiri naba, avaria, Madina, ifa, il 5 000, 10 000 soyira. Amman c'est gai trompé meni. Na fouyante biri. Ola mané o radié luna et moi ma walifé itansiga karaba karaba biri naba Madina meni fouyante d'or ah bébé amulangue tota imo 2000 sa mama imantongo ya soy otana e fini fe fouyantera kamebo na makona kri moto taxi magbana apparenti inyanga ne findi one findi onyengera nafisa mécanicien na minima siga walde mais fouyante ne d'or bar meni 16h nali koleya meni e barasiga et tan empresseur e magade birimbe mais moi ma walfe barkui e dog meni na figia e na fala mouvement soutien et tan nana figé otan et tan femme moura image birima nogode c'est un des fala ma o barate jeunesse jeunesse fouyanté parce que jeune na ram walima a salaire mou fiore na mou minima na futilité modèle. Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le combien aujourd'hui? Les gens ne sont pas payés.